On ne sait pas où on va partir, on n'a pas de parents d'ici. C'est obligatoire quand on dort dehors. Parce qu'on n'a pas de maison d'ici, on n'a pas de parents, ni rien. On a laissé nos familles au derrière, en Côte d'Ivoire, pour venir. Parce qu'on ne sait pas où aller, on n'a pas de parents d'ici. Aujourd'hui, il y a une volonté politique qui est d'invisibiliser les personnes à la rue. C'est-à-dire, un problème qu'on ne voit pas, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est avant tout de considérer la sécurité, le bien-être de ces personnes et de trouver des solutions aussi petites soient-elles, mais qui permettent en effet à ces personnes de pouvoir, d'une part, se reposer, de se sentir en sécurité et ainsi se concentrer finalement sur leur reconstruction. Du piment, de la tomate, c'est tout. Ah, ici, c'est le meilleur endroit, en tout cas, ils nous sauvent beaucoup. Ici, ils nous sauvent beaucoup, beaucoup. Sans eux, vraiment, on ne saura pas quoi faire. Fini dans un parking. Non, mais j'ai ma femme qui est là, qui est enceinte, donc je ne peux pas dormir dehors avec elle. La seule chose qu'on peut demander, c'est de voir l'État français, de faire l'effort pour les sans-abri, vu qu'il y a des enfants qui naissent, il y a plein d'enfants parmi nous, qu'ils essaient de faire l'effort, quelles que soient les difficultés, mais qu'ils y pensent aussi aux enfants qui viennent, parce que tôt ou tard, demain, ils feront aussi partie de la communauté française, qui vont aussi servir aussi à la France. Ce qu'on souhaite démontrer, c'est que c'est pas compliqué. On a les moyens, la France a les moyens, il y a des solutions à mettre en place. Donc alors on ne dit pas que, voilà, que ce soit toujours des parkings, mais on sait qu'il y a des espaces vides, on sait qu'il est possible de réquisitionner des espaces afin de loger ces personnes. Ne serait-ce que si aujourd'hui on défend le fait que les espaces sont saturés, mais distribuez des tentes aux gens, juste faites en sorte que ces gens aient un peu de dignité.